Maître Morluche, Maître Merluche. Vas-y, vas-y, vas-y. Maître Morluche sur un touffe planqué, s'enfilé par le chou, la coulant baraqué. Merluchon était là. Merluchon était là. Et il avait ébahi Marine. Oh, Marinette. Oh, Marinette. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors vas-y, ton poème. Maître Merluche. Maître Merluche sur un coffre-fort perché tenait dans son bec une guillotine. Arrivée à ce moment-là, Marinette, la petite coquinette, et tenait ainsi ce propos. « Oh, Maître Merluche, que votre coffre-fort est beau, que votre ramage ressemble au pâturage. »« Lâchez-moi, mon petit Blaise. Oh. »« Ainsi qu'à l'immigration à venir qui est la vôtre. » Maître Merluche répondit, « Quand mes plumes ressembleront à votre tronche, Marinette coquinette, je l'aurai fini de vous découper du coin de ma guillotinette. » Alors, Merluche ouvrir le bec, la guillotine tombèrent et Marinette mourèrent. Et quant à Maître Merluche partir, il ne put amener son coffre-fort qui était si lourd. Évidemment, être rouge, la morale est là, et être riche, la morale est là, ne peut s'assembler ensemble, Maître Merluche. C'est pas mal, ça va le faire.